Seigneur, viens en secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je n'y pense à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les voies, je parlerai. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite.
14. Sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche par feu, celui qui agit en juste, et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, mon Dieu, mon sacré dans le pays. Seigneur, multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, la parole est l'étage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon cours. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui se fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Si mon cœur exulte et mes entrailles jubilent, oui, ma chair reposera sur tes. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu apprendras le chemin de vie devant ta face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh.
Cantique d'Osée, page 327. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car c'est ton iniquité qui t'a fait trébucher. Munissez-vous de paroles de repentir et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Comme le lys et le peuplier, ses rejetons s'étendront au loin. Il aura la beauté de l'olivier, il sera comme un parfum du Liban. Ils viendront s'asseoir à son ombre, ils feront prospérer le froment. Ils Éphraïm, qu'a-t-il de commun avec les idoles? Je l'exauce et le regarde avec amour. Je suis comme un cyprès verdoyant, c'est grâce à moi que tu portes du fruit. Que les sages comprennent ces paroles, car les voix du Seigneur sont droites. Frère Pierre-Marie, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Par ce pardon qui surpasse tous les dons, puisqu'il les rend tous avec un surcroît de grâce, le Père nous engendre réellement comme des fils. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. C'est bien de renaissance qu'il s'agit en effet. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien a disparu, un monde nouveau est déjà né. Sur la terre nouvelle, qui n'est plus seulement promise, cette terre où ruisselle désormais la grâce du salut, le pain de la vie éternelle nous est donné par celui qui descend du ciel. Le Fils prodigue, c'est bien lui, le Fils unique. Il est venu perdre sa vie sur la terre pour nous ramener tous à la maison du Père. Devenu aussi l'aîné de la multitude des frères, c'est lui qui, désormais, en notre nom, répond au Père du ciel. Ceux que tu m'as donnés sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Nous commençons seulement à comprendre à présent la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de cet amour du Christ qui fait de Dieu un cœur en expansion infinie. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus.
Lecture du livre de Jérémie. Jérémie disait au Seigneur : Seigneur, tu m'as averti et maintenant je sais, tu m'as fait voir leur manœuvre. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir, et je ne savais pas ce qu'ils préparaient contre moi. Ils disaient : Coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la vengeance que tu leur infligeras, car c'est à toi que je confie ma cause. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Les lectures de cette quatrième semaine de carême nous ont introduits sur le chemin ultime de la mission du Christ Jésus au milieu des hommes. L'heure de sa passion et de sa mort se profile à l'horizon, à mesure que les autorités, les foules et jusqu'à sa propre famille lui manifestent avec haine et violence leur opposition à sa parole de vérité. Le choix de ce passage de la première confession de Jérémie veut nous annoncer cette étape cruciale de la vie de Jésus. Il nous invite aussi à mesurer qu'en accomplissant cette parole prophétique, le Fils de Dieu fait homme la dépasse totalement. Jérémie, prophète persécuté par ses semblables, nous est montré sous les traits d'un juste souffrant, vivant un passage, un enfantement de la foi avec et pour son peuple infidèle. Avec lui, nous parcourons les chemins obscurs de la foi. Nous traversons la détresse par laquelle celle-ci doit passer avant de déboucher sur la lumière d'une alliance nouvelle. Si les confessions du prophète nous révèlent une relation particulièrement intime avec Dieu, avec Jésus, c'est le règne de Dieu lui-même qui s'est approché. Par lui, Dieu intervient dans l'histoire. Il prend l'initiative d'une alliance nouvelle et éternelle avec tous les hommes de tous les temps. Jésus est persécuté à cause de sa relation unique avec le Père qu'il appelle Abba. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient à le tuer, puisqu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu, nous témoigne le disciple bien-aimé dans son évangile lu mercredi dernier. C'est dans cette relation d'amour avec le Père que s'exprime le mystère ultime de la mission de Jésus pour notre salut. Pour nous révéler Dieu comme notre Père, Jésus bouscule tous les conformismes. Il accomplit jusqu'au bout sa volonté en aimant tout homme d'un amour absolu et même ses ennemis. Si Jérémie, en portant sa situation intolérable devant Dieu, lui manifeste toute sa confiance, il appelle la vengeance contre ceux qui en veulent à sa vie. Jésus, lui, vit jusqu'à la mort le commandement de l'amour qu'il nous a donné. La persécution grandissante
le conduit à voir la volonté du Père dans l'amour pour ceux qui provoqueraient sa mort. Ceci explique qu'il s'en remet à lui dans une confiance absolue, n'opposant aucune résistance à ses adversaires. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge avec justice, nous atteste l'apôtre Pierre. Maître de sa destinée, Jésus sur la croix, au moment de rendre au Père le souffle de vie qu'il lui avait donné, va jusqu'à lui demander le pardon pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ainsi, Jésus nous a donné libre accès auprès du Père en se laissant mettre à mort par nos péchés, par tout ce qui nous empêche d'aimer, par tout ce qui, installé en nos cœurs, nous rend incapables d'aimer en vérité. Et c'est par la force de son grand amour pour nous qu'il a triomphé de notre mal. Par le don de lui-même sur la croix, il a vaincu la haine et la violence tapis en nos cœurs. Aujourd'hui, il nous appelle à nous opposer fermement à toute forme de haine et de violence par la force de son esprit, à avoir une confiance totale au plus grand pouvoir de son amour. Notre vrai combat consiste donc à être prêt à souffrir en son nom pour le bien, à faire ce qui est juste, en refusant toute injustice et tout mensonge. C'est ainsi que nous suivons les traces du Christ, notre Dieu, jusqu'au jour où il nous prendra auprès de lui pour partager sa gloire.
Prends pitié, Seigneur, soutiens-les par ta grâce dans l'annonce de la bonne nouvelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. De ceux qui ont quitté leur pays pour assurer la vie de leur famille, prends pitié, Seigneur, affermis-les dans l'amour pour leurs proches au temps de l'éloignement. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. De ceux qui ont quitté leur pays à cause de la guerre, prends pitié, Seigneur. Conduis-les vers une terre accueillante où ils trouveront la paix. Seigneur, prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs.
par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein. Elle est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il